Bonsoir, bonsoir. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus. Dans ce webinaire où nous parlerons des dernières nouvelles sur le projet de transport à cordes. Eh bien, c'est encore moi, Donatien Gérard. Eh bien, j'ai commencé à investir dans ce projet depuis 2018, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, on est déjà à 4 ans. Et je suis content des dernières nouvelles, je suis content de l'évolution du projet, je suis content des réalisations, je suis content des projets, des contrats qui ont été signés. Et je suis content de savoir que nous faisons déjà des bénéfices et que nous pourrons commencer à recevoir les dividendes dans la lancée où nous sommes en train d'aller l'année prochaine. C'est quelque chose de magnifique, véritablement magnifique. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Tout d'abord, nous commencerons bien évidemment par les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et du système de sécurité des transports actuels. Nous verrons la possibilité et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Qu'est-ce que Skywalker sur vos offres? Nous verrons comment est-ce que vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Qu'est-ce que Skyworld Community vous offre? Et nous parlerons des avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, droit au but. La certification selon les normes de management environnemental et de management de la santé et de la sécurité au travail a été réussie. La société qui s'occupe de la promotion du transport à cordes au Moyen-Orient a obtenu les certificats de management ISO 14001 de 2015 et de management de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001 de 2018. Les documents pertinents ont été délivrés par les autorités internationales de l'autorité internationale de certification TUVSW, Standardization Certifications. Eh bien, voici donc le premier certificat. Le certificat ISO, OK, 14001 de 2015 définit les exigences du système de management environnemental de l'entreprise et crée des opportunités de développement
dans le domaine de la protection de l'environnement. Ceci est assuré par la réduction de l'impact négatif de l'entreprise sur l'environnement, le contrôle du développement, de l'utilisation et de l'élimination des produits de l'entreprise, les avantages financiers et opérationnels grâce à la mise en œuvre de solutions de remplacement écologique, la communication d'informations sur les initiatives environnementales des parties prenantes également. Ici, il s'agit du certificat ISO 45001-2018. Le certificat ISO 45001-2018 définit les exigences du système de management de la santé et de sécurité au travail. Le but de ce système est de prévenir les accidents au travail, de la détérioration de la santé des travailleurs et de créer des emplois sûrs. L'obtention des certifications ISO, que nous venons de voir, les deux certifications ISO, aidera l'entreprise à s'inscrire auprès des autorités gouvernementales en tant que fournisseur de confiance, à améliorer sa réputation sur le marché, à accroître sa compétitivité et à réduire ses coûts d'exploitation. Alors, qu'est-ce qui fait donc de l'éco-maison un oasiste au milieu du désert, comme vous pouvez le voir? Le projet de transport à Côte est engagé dans le développement d'infrastructures modernes qui comprennent non seulement du matériel roulant et des pistes, mais aussi un développement résidentiel respectueux de l'environnement. Un exemple frappant, c'est l'éco-maison. L'éco-maison est conçue dans un cadre d'une ville linéaire qui représente des clusters résidentiels reliés par des voies à cordes. L'une des maquettes d'une telle ville est installée au centre d'essai de Sharjah. La principale caractéristique de l'éco-maison est son autonomie. Le bâtiment fournit aux résidences non seulement de l'électricité et de la chaleur, mais aussi de la nourriture. Pour cela, une serre est prévue à être aménagée sur le toit où vous pouvez cultiver des légumes et des fruits toute l'année avec un sol fertile. N'est-ce pas magnifique? Eh bien, c'est quoi donc la technologie de transport à cordes? Il faut savoir que nous sommes ici en train de parler d'une solution de transport innovante aux problèmes modernes de transport urbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité à tout le monde de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. OK? En 1914, déjà, l'usine de confiserie russe, appelée INEM, produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir, que celui-ci a représenté le mode dans un avenir proche. On voit là bien une escadrille ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Je ne pense pas que ce soit un hasard, mais plutôt qu'il avait vu, prédit clairement ce qui se passerait sur Terre et le système de transport qu'il faudra utiliser à ce moment-là. Ici, cette image qui nous est déjà familière, bien évidemment, non pas seulement sur les images, on voit donc notre monde, le transport de niveau 1. Les embouteillages empêchent les véhicules de se déplacer et ce transport de niveau 1 qui se déplace directement à la surface de la Terre aujourd'hui nous met dans des situations vraiment difficiles. Alors, chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies
énumérés, que ce soit par train, navire, acte terroriste, blessure professionnelle ou catastrophe naturelle, 1 500 000, c'est énorme. Les effondrements des transports affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, le trafic dense des routes de transport ainsi que la mort des personnes, causé par, bien évidemment, le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme. Celui-ci est persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Ainsi, nous enchaînons le troisième problème de notre époque, la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à une centrale électrique qui, elle, fonctionne aussi à partir des combustibles fossiles. Vous voyez? Les moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Voilà pourquoi le quatrième problème, okay, le quatrième défi de notre époque, c'est la consommation d'énergie. Il faut la réduire. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts du capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. C'est là la seule différence. Il n'y en a pas d'autre. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, personne n'a pu combiner ces deux types de transport, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez donc pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau pas de roue électrique, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre, ce système, avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, non, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Il faut bien faire cette différence. Beaucoup de personnes, souvent, m'envoient des images des téléphériques et ils me disent que oui, le système de transport à cordes existe déjà, mais non. Nous avons un système de transport qui a son propre moteur, sa propre structure de trajet, ce qui n'est pas le cas avec le téléphérique ni le funiculaire. Transport donc que nous nous apprêtons à examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Nous avons des transports pour les passagers et des transports pour les cargos. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Une vie linéaire en union avec la nature. Il faut savoir que les routes et Uniski Technologies favorisent le développement des villes linéaires, des établissements urbains de type cluster, harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Donc, c'est une infrastructure à corps de dents pour moi, constituée de villes linéaires et comme maison port maritime. La mise en place du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure
des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport jusqu'à, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes, des voies ferrées, d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure de nouvelles villes et des formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel. Ici, vous avez une image de l'écomaison. OK, on l'a vu tout à l'heure et on a parlé de pourquoi est-ce que c'est un oasis dans le désert. Ici, vous avez une autre perspective. OK, une autre vue de la ville linéaire. Alors, avant de continuer, lisons ensemble cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, pour pouvoir continuer, il faudrait que l'on se fixe des bases afin de savoir réellement où est-ce qu'on va. Et ici, notre problème consiste à se déplacer convenablement, il faut le préciser, d'un point A à un point B de la surface de la Terre. D'accord. Maintenant, selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image clairement. OK. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons avant de continuer la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd, écoutez comme celui-ci, on pose plutôt le câble. OK, supposons-le. Et les supports lourds n'étant donc plus nécessaires à ce moment, on les remplace par des supports légers, bien évidemment. On va ainsi tirer le câble et fixer donc les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite à ce moment les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires. Et là, nous plaçons donc, nous entourons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Et bien évidemment, voici en section à quoi ressemble cette structure du rail. En voilà les éléments principaux technologiques du rail à cordes. La base de la technologie du Nisqy String Technology, ce rail à cordes innovant. OK? C'est ainsi donc à quoi ressemble ma section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. La variante de structure du rail à cordes de la tête de rail et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Et le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre supports et d'une poutre rigide sur une petite portée, sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus du support. Option de rail à cordes. Ici, on peut voir clairement les options du rail à cordes semi-rigide. On a la tête du rail, on a ici les cordes,
On a l'élément remplisseur qui est un agent, qui est un béton flexible. Okay. On a aussi l'enveloppe, le corps du rail. OK. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Nous avons trois types de structures de trajet, une rigide, semi-rigide et l'autre flexible. Le rail semi-rigide peut supporter des véhicules allant à une vitesse entre 50 et 250 km par heure. Voilà la vitesse autorisée. Le rail rigide, par contre, lui, c'est 100 à 500 km par heure. Donc, il est clair que l'unibus à grande vitesse, que nous verrons tout à l'heure, aura besoin d'un rail rigide. Et aussi le rail flexible, de 30 à 150 km par heure. OK, ici, donc, nous avons une conception du châssis. OK, on a l'intérieur du châssis là. À l'intérieur, on voit bien des batteries d'accumulation, des radiateurs de système de refroidissement. On a un inverseur de moteur qui permet d'aller dans un sens et aussi dans l'autre sens. On a un dispositif d'affichage de secours. OK, on a un convertisseur de tension. On a un système anti-sortie spécial. Et on a aussi des ressorts de suspension. Nous avons parlé tout à l'heure du système d'anti-sortie. OK, le voilà, un système d'anti-déraillement spécial utilisé dans cette technologie. Regardez ici sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible aussi. Ceci, c'est un photomontage. Okay, qui montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Et je tiens à signaler ici que une travée, c'est la distance entre deux ancrages qui peut aller jusqu'à 600 mètres. OK. Ici, nous avons une photo réelle. Ce n'est plus un photomontage, non, mais une photo réelle prise en octobre dernier, OK, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet du rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. Non, la tâche la plus importante donc du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique, OK, élimine clairement l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer toutes les 10 secondes et non une fois par heure. Bien évidemment que c'est possible. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons déjà aux photos familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est donc l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique à l'air. D'accord? Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement.
Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas été faits. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. On voit là que le coefficient de traînée de l'unibus à grande vitesse, qu'on peut voir là, le flash, est jusqu'à 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne, ce qui est énorme. Voici sur cette image en grandeur réelle l'appareil qui vient d'être présenté précédemment, le LiFlash. Pour cette raison donc, pour les raisons d'aérodynamisme, cet UniFlash peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Avant de continuer donc, étant donné tout ce que nous avons vu précédemment, voyons maintenant comment le système de transport à cordes surpasse tous les autres dans tous les paramètres technologiques. Mais avant, rappelons les problèmes du transport moderne. La surcharge des voies de transport, nous l'avons vu, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que UST offre est peu en vert. On se rend donc que le transport à cordes a la solution la plus optimale. En termes de coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident de transport, nous sommes le plus optimal. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Ici, voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. On se rend compte ici clairement que le transport U-Sky est jusqu'à 10 fois moins cher que tous les autres systèmes de transport existants. Les plus modernes, je précise, et même projetés. Ainsi, nous pouvons dire que U-Sky, le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Alors, tout le monde peut investir. Tout le monde a la possibilité actuellement de devenir copropriétaire de cette technologie. Et comment? Contactez tout de suite celui qui vous a parlé de ce projet. Demandez-lui son lien d'inscription dans le projet. Alors, vous vous inscrivez et vous faites la vérification de votre compte. Dès que c'est fait, vous pouvez donc commencer à investir avec un budget à partir de 50 $. Un plan d'investissement pratique aussi est mis pour ceux qui n'ont pas les moyens en 5 mois, divisé en 5 mois, ce qui fait que vous pouvez payer votre package sur 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs avec nous, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Eh bien, vous avez aussi des perspectives d'investissement qui s'offrent à vous. Laissez-moi vous donner les différentes perspectives d'investissement qui s'offrent à vous. Premièrement, des dividendes. En tant que copropriétaire de cette technologie évaluée à plus de 400 milliards de dollars, vous gagnerez des dividendes de tous les projets commerciaux réalisés par des bénéfices de tous les projets commerciaux réalisés par l'entreprise. J'ai dit à l'entame que nous avons déjà commencé à faire des bénéfices. Et ce, toute votre vie, toute la vie de l'entreprise. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. En octobre 2018, elle a fait. 5 000 premiers investisseurs de la société ont pu revendre leurs actions à un profit allant jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre en héritage à vos enfants. Plus tard, la société prévoit entrer sur le marché boursier. Et à ce moment-là,
vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché-là. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, l'auteur du projet, c'est ce monsieur à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chercheur et inventeur, Anatoly Edouardovitch Yunitsky. OK, il est chercheur et inventeur et auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et 150 inventions. Bien évidemment, il est le créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basées sur la technologie à cordes. Les détails de sa biographie peuvent être facilement trouvés sur son site. Vous y trouverez aussi plusieurs matériaux et calculs pour ceux qui sont particulièrement curieux. Et aujourd'hui, plus de 11 modèles de transport pour les passagers ont été développés et 4 autres modèles pour le transport des marchandises aussi ont déjà été développés, que vous pouvez voir ici. Le transport à cordes sur des rails à cordes se déplace clairement au-dessus du sol et des routes et de l'eau, d'accord, sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour eux, non. Pour ce système de transport, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Pas besoin de tout cela. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Le transport de deuxième niveau, OK, au début de 2020, a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré énormément l'attention. Et où cette année encore, nous serons présents à l'Innotrans 2022. OK? Au salon d'Innotrans en septembre prochain. Sur le site, déjà, vous pouvez voir que Uniski String Technologies fait partie des entreprises qui seront présentes. Et avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être trouvés sur le site. On voit bien que la technologie du transport à cordes a obtenu aujourd'hui plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine et plusieurs récompenses également et plusieurs certificats. Sur ces diapositives, il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Allez sur le site. Vous allez tous les retrouver là-bas. Sans aucun doute, un homme seul ne peut pas mener à bien un tel travail titanesque. Alors, Uniski String Technologies a été créé à Minsk, en République de Biélorussie. C'est la société mère qui développe la technologie. Et depuis 2019, elle emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et des productions couvre une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a plusieurs machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers. L'argent des investisseurs a permis de construire, premièrement, un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, plus précisément à Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent ici pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe et s'assurer de la réalité, de l'effectivité de ce transport. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction du Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir proche, pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans la nature et ne surprendra plus comme le métro et le tram aujourd'hui. Le transport U-Sky est un transport
innovant, qui se déplace au-dessus du sol à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Je vous dis merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous encore à une semaine pour pouvoir avoir des dernières nouvelles du projet, pouvoir reparler encore de cette technologie de transport à code qui me fascine. Je vous dis à très bientôt. Bon investissement. Thank you.